Un vent de changement souffle sur les municipalités québécoises. Près de 40 % des conseils municipaux sont composés de femmes et près du quart des villes ont à leur tête une mairesse. Des chiffres en augmentation depuis 2017, année du dernier rapport de la Fédération québécoise des municipalités, qui met en lumière les préoccupations des élus. De quoi réjouir les femmes élues qui se sentaient peut-être seules jusqu'à récemment. Je pense que c'était quand même un monde où est-ce que, clairement, il y avait beaucoup plus d'hommes. Alors, je trouve que c'est une très belle tendance, c'est très positif. On n'était pas la norme. J'ai vu un gros mouvement de fond dans la dernière élection. Il y a beaucoup plus de jeunes qui se sont impliqués en politique municipale. Mais si la parité progresse, d'autres enjeux se présentent. Les conseillers municipaux sont plus jeunes, avec des enfants, et les difficultés de conciliation travail-famille grandissent, hommes élus inclus. Surtout que dans les petites municipalités, bien des élus ont souvent un autre emploi. La mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges a dû demander un plus haut salaire pour pouvoir mieux jongler entre ses tâches de travailleuse sociale, ses quatre enfants et la politique. J'ai rencontré mon conseil par rapport à ça là, pour demander si on pouvait équilibrer là, mon salaire d'élu à la hausse afin que je puisse libérer un peu plus de temps parce qu'à un moment donné, ça fait juste trop d'heures dans une semaine. Là. Une autre tendance du rapport qui recense les réponses de plus de 600 élus. 39 % des répondants disent avoir vécu au moins une fois une situation en lien avec du harcèlement dans leur parcours politique. Les réseaux sociaux et la proximité des petites municipalités n'aident pas. Moi, je suis interpellée en tout temps. Quand je prends une marche avec mes enfants à l'épicerie, les gens, ils veulent tout de suite, maintenant, puis c'est leur besoin qui est le plus important. Malgré les embûches, la ministre de la Condition féminine espère qu'encore plus de femmes s'impliqueront en politique. De plus en plus, la société québécoise, les hommes et les femmes, veulent que les femmes contribuent. Les femmes, c'est 50-50 de la société, alors ça devrait être 50-50 partout. Un objectif qui pourrait être atteint lors des prochaines élections municipales en 2025. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, à Québec. Et je vais poursuivre la discussion avec Esther Lapointe, qui est directrice générale du groupe Femmes, politique et démocratie, et Marie Malavoie, qui est ex-ministre au gouvernement de Pauline Marois et de Jacques Parizeau. Bonsoir à vous deux, mesdames. Bonsoir, Madame Prince. Bonsoir. Madame Malavoie, je vais commencer avec vous parce que vous avez été non seulement dans le gouvernement, comme je le disais, de M. Parizeau, puis ensuite de Pauline Marois, donc vous avez eu beaucoup d'années politiques à votre actif. Est-ce que vous avez remarqué au fil des années, justement, s'il y a eu du progrès quant à la parité et la façon dont on considérait les femmes en politique? Il y a eu effectivement beaucoup de progrès puisque maintenant à l'Assemblée nationale, les femmes sont dans ce qu'on appelle la zone paritaire, donc elles sont actuellement 46 % d'élus. Cela dit, le sol n'est pas encore tout à fait stabilisé. C'est pour ça que nous, on dit ces progrès-là, bon, ils viennent du fait qu'entre autres choses, on a fait beaucoup de pression, qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont mobilisés, on a fait le tour des partis politiques, et il y a des progrès. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des reculs possibles. Par exemple, en 2014, on avait perdu par rapport à 2012 5,6 % de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, nous maintenons la pression pour avoir une loi sur la parité. Bien justement, vous parliez du nombre de femmes, du pourcentage de femmes. On a préparé un tableau pour le montrer pour chacun des partis politiques parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a des règles internes puis des statuts qui ont été mis en place dans chacun des partis qui fait qu'il y a un effort. Là. Vous le voyez, les candidatures à l'élection de 2022, là, les deux partis qui ont vraiment... fait la tendance à la hausse. Là, on voit que c'est Québec solidaire, puis la CAQ, parce qu'ils avaient demandé peut-être d'avoir plus de femmes candidates. Là. Mais, Mme Lapointe, vous pensez que malgré la volonté de ces partis-là, il la faut, cette loi-là, pour atteindre la parité des candidatures dans les partis? Bien, certainement, parce que à l'heure actuelle, dans le cas de certains partis, la volonté du chef est très importante. Et puis, quand on parle d'une loi sur la parité, ça s'appliquerait à l'ensemble des partis. Alors que dans le tableau que vous avez montré, ben il y a certains partis... En fait, il y a trois des partis sur cinq qui ont dans leur statut des règles les obligeant à la parité. Les autres, ça peut dépendre de la volonté du chef ou de la direction du parti, mais c'est pas stable. Comme Marie le disait, les reculs sont possibles. Puis dans le cas de recul, souvent, c'est des reculs fort importants, là. C'est des acquis que vous trouvez fragiles, finalement. Tout à fait. Puis on s'inquiète encore davantage quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde avec une espèce de montée de la droite, là, et tout ce que c'est en train d'entraîner.
Moi, j'aimerais comparer un petit peu avec ce qui se passe en France, où là, on vient d'adopter une loi, en fait, d'adopter dans la Constitution française le droit à l'avortement, alors qu'on sait très bien que c'est un pays où il n'y avait pas réellement de problème par rapport à cette question-là. Bon, bien, nous, même si on est en bonne position ici, actuellement, en 2024, ça ne veut pas dire que ça va être le cas en 2030, par ailleurs. Madame Malavoie, qu'est-ce que les femmes apportent en politique pour avoir été vous-même sur le terrain? Est-ce que vous constatez une différence dans la manière, justement, d'approcher les politiques publiques? Disons d'abord que le monde politique, quand on le regarde, il est encore très masculin, hein, dans ses institutions, sa culture, son langage, sa façon d'être. Je pense que les femmes, oui, peuvent commencer à transformer des choses, entre autres sur les sujets qu'on aborde. Par exemple, si on a au Québec des politiques familiales de grande qualité, des centres de la petite enfance, une loi sur le patrimoine familial, l'équité salariale, si on a des lois comme ça, c'est parce que des femmes ont été en poste, ont été des ministres et ont réussi à rallier les députés à cette cause-là. Donc, oui, les femmes, elles vont apporter des choses sur le fond, aussi sur la manière. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais députée avec M. Parizeau, on siégeait de nuit. Et en session intensive, on pouvait siéger de nuit plusieurs jours de suite. À un moment donné, les femmes, on a carrément dit, on fait la grève. Si vous continuez comme ça, nous, on ne jouera plus dans ce film-là. Ça a provoqué un projet pilote. Et le projet pilote s'est transformé en règle régulière et on ne siège plus de nuit. On n'adopte plus de lois importantes, sauf s'il y a un bâillon, mais on n'adopte plus de lois importantes à 4 heures du matin, comme je l'ai déjà vu faire. Puis la montée des femmes aux barricades pour contrer ça a été certainement importante. Puis il y a encore du travail à faire parce que je sais que les élus en ce moment à l'Assemblée nationale, puis on va vous montrer aussi un autre tableau. Sur les 125 élus, vous avez actuellement 58 femmes. Donc on est quand même pas loin là, de la parité. Là. C'est plutôt bien. Mais il y a encore cette réforme parlementaire qui est attendue, qui serait peut-être plus collée justement à l'année 2024, qui fera en sorte qu'autant les hommes et les femmes pourrait mieux concilier travail-famille. Madame Lapointe, tout à l'heure, avec votre collègue Marie Malavoie, on a parlé de la zone paritaire. Pour que les gens comprennent, c'est qu'il y ait une proportion entre 40 % et 60 % de femmes, même si ce n'est pas vraiment la parité. On est plus souvent du côté du 40 % que du 60 %. Mais est-ce que vous trouvez que la zone paritaire, c'est acceptable? Bien, en fait, ce qu'il faut démêler, quand on parle d'une loi sur la parité, nous, c'est pour les candidatures des partis. Si on veut se retrouver avec au moins 40 % de femmes élues, ou entre 40 et 60 % de femmes élues, bien, il faut toujours bien en présenter. Nous, ce qu'on dit, c'est entre 45 et 55 % de candidates, parce qu'elles ne seront pas toutes élues. C'est ça, vous ne pouvez pas contrôler le vote des gens. Là, on est en démocratie, c'est mais ça, par exactement. Contre, on peut quand même demander aux partis d'avoir plus de femmes candidates. Tout à fait. D'ailleurs, c'est légitime. Les femmes sont un peu plus de 50 % de la population. Ce n'est que justice, surtout dans un pays qui a comme valeur de base l'égalité, que les partis se conforment à cette égalité-là et, en fait, l'incluent dans leurs règles. Surtout qu'au Québec, les partis sont financés à plus de 75 % par nos taxes et nos impôts. Et nous, les femmes, les travailleuses, on y contribue. Madame Malavoie, évidemment que la parité est un objectif, mais une fois qu'on l'atteint, est-ce qu'il faut aussi surveiller certaines choses? Par exemple, s'assurer que les femmes puissent l'emporter dans des comtés pour lesquels elles ont des chances de l'emporter. Et ensuite de ça, par exemple, au Conseil des ministres, leur proposer des portefeuilles qui sont aussi importants. Vous avez tout à fait raison. Il faut que les femmes soient à des postes clés dans tous les domaines, y compris le domaine de l'économie, qui n'était pas toujours celui qu'on réservait aux femmes. Mais je dirais qu'il faut que les femmes se rendent en politique. Nous, on souhaiterait en plus que le directeur général des élections donne une prime financière aux partis politiques qui ont fait élire au moins
40 % de femmes ou 45 % de femmes. Donc, il y a comme une récompense, si vous voulez, parce que c'est bien beau d'avoir des candidates, comme disait Esther, il faut aussi qu'il y ait des femmes élues. Et si vous me permettez, j'ajouterais juste une considération à laquelle nous, on commence vraiment à penser. Il faut que les femmes soient élues et il faut aussi qu'elles tiennent bon. Nous avons actuellement une préoccupation, c'est que des femmes sont entrées en politique et, pour différentes raisons, quittent la politique beaucoup plus que les hommes. Et donc, on ne veut pas ça, on ne veut pas les faire entrer, puis après se demander ben, pourquoi s'en vont-elles. Donc, ce n'est pas encore gagné toute cette idée que les femmes, à parité, doivent être dans les parlements et, je dirais simplement, gouverner le monde. Donc, il faut des conditions pour qu'elle puisse rester en politique et qu'elle ait envie de le faire. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Marie Malavoie, ex-ministre, et Esther Lapointe du groupe Femmes de politique et démocratie. Merci à vous deux. Au revoir. Merci. Au revoir.